Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. Le mois d'octobre est déjà arrivé, donc j'espère que vous le commencez très bien. Alors, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'octobre 2019 pour les signes d'eau. Alors, il s'agit du Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, bienvenue à vous tous. Bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle toujours que les tirages sont d'ordre général. Alors, c'est possible que vous ne vous reconnaissiez pas en totalité dans ce qui sera dit. C'est normal, vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Alors, c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Encore une fois, toujours avec ma clé de la destinée, toujours présente pour vous rappeler que c'est vous qui détenez le pouvoir hein, sur votre vie, qui détenez votre propre clé de votre propre destinée. Alors, les messages que vous recevez ici sont des messages de probabilité et non des messages qui sont coulés dans le béton. Donc, si quelque chose ne vous plaît pas dans les tirages, c'est à vous de décider ce que vous faites avec les messages reçus. Voilà. Alors, on commence pour vous, mes chers signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Donc, le tronc commun pour vous, mes chers. D'abord, je trouve que vous avez... pardon pour le petit bruit, hein, j'ai des petites notifications comme ça parfois. Alors, j'ai l'impression que pour vous, c'est un beau tirage hein, en général. C'est un très beau tirage. Donc, prenez vraiment ce qui colle à vous, hein, ce que vous vivez présentement et le reste, laissez-le tout simplement aux autres. Alors, au niveau professionnel, le tronc commun au niveau professionnel, on voit que vous avez besoin de changement, de changer de quelque chose de nouveau. Le fou qui apparaît ici, hein, c'est... en fait, ça nous dit que vous avez besoin de quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose avec lequel vous allez vous sentir bien, libre. Il y a du potentiel ici, il y a vraiment du potentiel, mais c'est quelque chose de nouveau et on voit que vous devez faire un choix. Vous êtes confronté au niveau professionnel à faire un choix, d'accord? Donc, est-ce que vous allez choisir... ce qui vous convient de faire ou est-ce que vous allez choisir ce qu'on vous impose ou bien ce que la société impose ou ce que vos peurs, vos craintes vous demandent de suivre. Hein? Donc ça, c'est à vous de décider. Alors parfois, hein, le fou, c'est un personnage qui est assez insouciant, téméraire et parfois, ce sont des belles qualités parce que ça nous empêche en fait de rester emprisonnés dans un carcan qu'on a forgé pour nous, d'accord? Alors, essayez d'avoir cet esprit libre un petit peu, cette façon de voir que, d'accord, je me lance et puis je vais réussir ce que j'entreprends. J'ai le potentiel pour y arriver. Alors, faites le meilleur choix pour vous, pour votre bien-être personnel, d'accord? Maintenant, au niveau relationnel, on a vraiment un beau tirage. Mais ce que ça nous dit ici, c'est que pour certains d'entre vous, si ce n'est pas déjà fait, vous allez probablement avoir une nouvelle rencontre. Un nouvel amour qui va débuter. Ceux qui sont en couple, c'est tout simplement que ça sera peut-être quelque chose de nouveau, un renouveau dans votre relation, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, avec le 4 de denier, on sent que vous tenez à cette relation, que cette relation vous apporte ce dont vous avez besoin. Vous sentez que vous n'avez pas besoin d'avoir peur hein, parce que vous recevez ce dont vous avez besoin dans cette relation-là et vous y tenez, d'accord? Si vous regardez le personnage hein, sur cette image, c'est quelqu'un qui retient, hein, qui retient son avoir ici, d'accord? Alors, parfois, dans certains tirages, cette carte-là vient vous dire « Ayez confiance que l'univers vous apporte ce dont vous avez besoin. » Ici, je sens plutôt que ça vient vous dire que vous le réalisez.
que vous avez au niveau relationnel, ce dont vous avez besoin. D'accord? Alors, ici, on vient vous dire d'en prendre soin. D'accord? De prendre soin de ce nouvel amour, si c'est votre cas, ou si ceux qui sont en couple, tout simplement, de prendre soin de ce que vous avez déjà, parce qu'il y a du renouveau qui s'en vient. Ça sera peut-être le renouvellement des vœux, l'achat d'une maison, par exemple, quelque chose de nouveau qui s'en vient dans votre couple qui sera bénéfique pour vous. D'accord? Alors, voilà. Et avec la carte de la force qui se présente, hein, on vous dit ici tout simplement, bien, moi j'ai l'impression que si c'est un nouvel amour, il y aura beaucoup de passion, il y aura beaucoup de feu dans cette, hein, quand même la carte de la force, hein, ça représente le signe du lion. Alors c'est le feu, c'est la passion, et on vous demande peut-être avec cette carte un peu de maîtriser cette passion, parce que parfois la passion c'est bon, c'est beau, mais il faut savoir la maîtriser parfois, parce que des fois on tombe dans des excès. La carte de la force peut-être vous dire aussi d'être ouvert aussi à votre sexualité mutuelle, d'accord, d'apprendre à vous connaître mutuellement au niveau sexuel, parce que le niveau sexuel c'est important pour bien connecter avec la personne. D'accord? Alors, d'être un peu ouvert de ce côté-là, mais tout en vous domptant la bête en vous, l'animalité en vous. Donc, de maîtriser un peu cette flamme, maîtriser la passion, hein, pour ne pas qu'elle enflamme tout. D'accord? Alors, tout simplement d'être un peu dans la maîtrise, mais aussi d'être ouvert à ce côté qui est si important dans une relation. D'accord? Alors, c'est vraiment un tirage simple qu'on me montre ici. Au niveau spirituel ou de la croissance personnelle, c'est vraiment beau aussi. On sent que pour certains d'entre vous, vous sortez, hein, vous étiez dans une période, peut-être il y a quelques semaines, quelques mois, où vous vous tracassiez beaucoup, où vous aviez peut-être des problèmes à gérer ou à régler, mais c'était des problèmes qui vous empêchaient probablement de dormir, qui vous tracassaient beaucoup, qui vous faisaient souffrir. Mais on sent que vous avez travaillé sur vous. Vous avez tellement travaillé depuis quelques semaines, quelques mois, peu importe, quelques années, que vous avez réussi à vaincre quelque chose en vous. D'accord? Vous avez le 6 de bâton ici. Alors, le 6 de bâton, c'est en général, dans les tirages, c'est une carte qui nous parle de reconnaissance, qui nous parle de réussite, parfois professionnelle, hein, aussi. Mais on vient vous dire ici que vous avez dépassé quelque chose en vous, vous avez maîtrisé quelque chose en vous, ou vous avez vaincu quelque chose en vous. Si ce n'est pas le cas encore, ça s'en vient. D'accord? Ça vous appelle ou ça vous invite à le faire, à vaincre certaines peurs que vous avez, peut-être d'avancer dans une direction. Alors, essayez de réussir à vaincre vos peurs à l'intérieur de vous, hein, parce qu'on est dans le domaine spirituel et croissance personnelle. Alors donc, c'est de vaincre vos peurs. Regardez le personnage comme il est fier, hein. Donc, c'est ce que vous devez réussir à faire si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Pour vous aider à sortir, hein, de cette situation, peut-être qui vous tracasse, c'est vous qui savez de quoi il s'agit ici, bien sûr, le tirage est trop général là, pour que je puisse savoir exactement de quoi il s'agit, bien que je vais essayer d'éclairer un peu plus. Alors donc, de vaincre quelque chose en vous, la peur ou peu importe ce dont il s'agit, pour pouvoir arriver à la plénitude, le 10 de coupe ici. D'accord? Une belle carte d'émancipation, d'épanouissement, d'amour partagé, d'épanouissement tout simplement. Alors pour arriver à ça, il y a du travail à faire que soit vous avez déjà fait ou soit que vous entamez et que vous allez réussir à vaincre certaines choses en vous pour arriver à ce résultat.
Alors, je vais essayer d'éclairer un petit peu plus au niveau maintenant professionnel. Donc, au niveau professionnel, quel message supplémentaire on a à apporter pour nos signes d'eau? Cancer, scorpion, poisson pour les énergies du mois de septembre 2019. Alors, on a d'abord la carte du 5 de coupe. Donc, certains d'entre vous, j'imagine, j'ai l'impression que vous regrettez certaines choses, c'est-à-dire au niveau professionnel, hein, peut-être que vous aviez une opportunité qui s'est présentée et que vous avez peut-être laissé passer. Vous avez eu du mal à faire confiance peut-être, hein, à ce qui se présentait devant vous. Alors, le 5 de coupe nous dit que vous regrettez aujourd'hui peut-être cette décision que vous avez prise, un mauvais choix peut-être que vous avez fait, vous réalisez que le choix que vous avez fait, c'est pas ce que vous vouliez et que vous avez du mal actuellement, peut-être pour certains d'entre vous, à voir ce qui vous reste de bien devant vous. Alors, on vous dit ici, ne vous découragez pas, mes chers amis, parce que vous avez l'as de denier. Le denier, c'est la matérialité, c'est le travail, c'est l'amour du travail aussi, hein, l'as de denier. Alors, vous allez probablement, vous avez le potentiel pour faire des choses extraordinaires au niveau du travail. C'est un cadeau qu'on vient vous offrir ici. Probablement, comme on dit, hein, on vous offre un cadeau sur un plateau d'argent ici, une opportunité, une nouvelle opportunité. Donc, le choix pourrait être plus facile ici puisqu'on vous apporte quelque chose sur un plateau d'argent. D'accord? Alors, cessez, de regretter. Tout simplement, c'était peut-être pas tout à fait votre temps. Et maintenant, ça l'est. Et donc, on vous dit d'aller vers quelque chose de nouveau, de choisir quelque chose de nouveau, d'être ouvert à ce que la nouveauté vous apporte parce que vous avez le potentiel pour le faire et vous allez y arriver, hein, puisque c'est un cadeau de la vie qu'on vous donne ici. Alors, c'est un très beau tirage pour ça. Maintenant, au niveau relationnel, essayons d'éclairer un petit peu plus. Ici, je vous ai dit peut-être un nouvel amour ou du renouveau dans votre relation, quelque chose une relation à laquelle vous tenez. On vous demande de maîtriser certaines choses en vous, mais quand même d'être ouvert à l'autre, être ouvert à la passion, à la sexualité, de vous permettre de vivre ces choses-là aussi qui sont bénéfiques pour votre relation et pour vous-même. Alors, est-ce qu'il y a un message supplémentaire pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, pour les énergies du mois de septembre, du mois d'octobre, pardon, 2019, au niveau relationnel? Alors, voyez-vous, vous avez l'étoile. Donc, pour certains d'entre vous, hein, cette nouveauté, ce nouvel amour, c'est vraiment ce que vous recherchiez. Ça répond à vos critères, aux rêves que vous aviez, que vous nourrissiez de rencontrer une personne avec telle ou telle caractéristique. On vous dit ici avec l'étoile d'être dans l'amicalité, d'être ouvert, ouverte, justement comme je vous disais ici, de vraiment de vous ouvrir à l'autre, hein. Très belle carte, l'étoile. Vous êtes en même temps protégé dans cette relation. C'est pourquoi vous ressentez, hein, l'envie de la protéger, cette relation, hein, comme le 4 de denier vient le dire ici, parce que vous avez probablement trouver la personne idéale pour vous. Et si ce n'est pas fait, si vous êtes encore célibataire, c'est probablement que ça s'en vient très bientôt ici pour vous. D'accord? Alors, la belle carte de l'étoile, est-ce qu'il y a un autre message supplémentaire? Poisson. Alors, on voit ici que c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement. On a le 8 de bâton. Donc, ce sont des changements rapides pour vous qui s'en viennent dans votre vie. J'ai l'impression, au niveau amoureux, hein, qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger, parce qu'on parle de nouveautés.
une nouvelle relation ou si vous êtes en couple, quelque chose de nouveau va arriver dans votre relation. Alors, soyez ouverts, aimez-vous, protégez votre relation, hein, donnez, voyez-vous l'étoile, hein, c'est un peu, ça me fait penser un peu à tempérance, parfois, cette carte, parce que il y a les vases communicants. On vous dit d'être dans l'amicalité, de donner à l'autre autant que vous recevez, d'accord? Alors, ça, c'est important pour garder une relation saine. Et finalement, on va essayer d'éclairer au niveau spirituel, aux croissances personnelles. On voit qu'il y a eu quelques souffrances, quelques tracas, quelques insomnies ici. Mais on voit, il y a beaucoup d'espoir parce qu'on voit que vous avez vaincu quelque chose. Vous avez en vous, ou bien ça s'en vient très bientôt. Pour une vie beaucoup plus meilleure, hein, meilleure ici pour vous. Et ce qu'on vient vous dire ici, justement, bien, vous avez vaincu quelque chose, célébrez maintenant vos réussites, votre réussite au niveau de votre croissance personnelle. Vous êtes dépassé, hein, le dépassement de soi. Alors ici, c'est le temps de célébrer votre réussite, votre accomplissement au niveau de votre propre croissance personnelle. D'accord? Donc, célébrez, amusez-vous, permettez-vous, hein, les plaisirs de la vie parce que vous le méritez. Vous avez probablement travaillé très fort, hein? Vous avez passé par des moments très difficiles auparavant. Alors, on vient vous dire ici maintenant, c'est le temps de célébrer, de mettre ça de côté, laisser ça derrière vous et maintenant de passer à une nouvelle vie dans laquelle vous vous sentez beaucoup plus épanoui, beaucoup plus en contrôle aussi de vous-même, hein, de vos émotions également, de vos pensées. Alors, au niveau... Qu'est-ce qu'on a? Voyez-vous, exactement, vous y êtes arrivé seul. Vous avez travaillé fort pour arriver à ce résultat, hein, cette réussite. Vous avez, on a vraiment de très belles cartes. Vous avez, non seulement vous vous êtes dépassé, hein, le dépassement de soi, mais vous avez décidé d'investir en vous-même. Et ça vous rapporte les fruits de votre travail. Et les fruits de votre travail, c'est justement le 10 de coupe ici. D'accord? Alors, vous avez travaillé fort, vous avez investi sur vous, vous y êtes arrivé seul, peut-être avec un peu d'aide, mais quand même, c'est vous qui avez fait tout le travail pour arriver à ce résultat. Alors, vous méritez de vous récompenser, de festoyer avec des amis, de célébrer votre vie, votre réussite, votre épanouissement maintenant, d'accord? Alors, il y a tellement de gens qui vivent des situations difficiles, compliquées, qui demandent du travail, de l'acharnement, des situations qui durent depuis des années et des années, hein, qui sont difficiles à passer au travers. Alors, si c'est votre cas, mes chers amis, bien, vous avez le droit de célébrer votre vie, de célébrer votre réussite et vos efforts, d'accord? Donc, permettez-vous de le faire aussi. J'ai pigé également des cartes au niveau de l'oracle lumière pour éclairer un petit peu plus. Alors ici, on nous parle du travail. Donc, je vous disais tout à l'heure, pour certains, hein, d'entre vous, vous êtes peut-être dans l'hésitation par rapport à un choix que vous devez faire au niveau professionnel. Mais vous êtes, même si vous avez passé déjà par là, que vous regrettez peut-être de ne pas avoir saisi une certaine opportunité, vous êtes encore probablement dans l'hésitation ici. Alors là, on vous dit, sortez de l'hésitation, mes chers amis. Vous avez un cadeau ici de la vie qu'on vous amène au niveau du travail, du potentiel, de votre capacité de faire certaines choses. Alors, n'hésitez pas, foncez vers le choix qui vous semble le meilleur, bien sûr. D'accord? Alors, sortez de l'hésitation ici. Et justement, on a la carte d'éclaircissement travail. Donc, on nous parle du travail ici. Donc, ce qui est sorti, et ça m'a fait rire un petit peu, c'est que on vous dit, nous sommes à l'automne présentement. Au niveau du travail,
Vous devez prendre une décision cet automne et cet hiver, vous devez être établi dans votre nouveau travail ou bien être sûr de votre décision. La décision concernant votre vie professionnelle doit être prise et solidifiée maintenant. C'est-à-dire commencer maintenant à décider et qu'à l'hiver, ce soit déjà entamé, ce soit déjà solidifié, consolidé, assumé également. Voilà. Alors, voilà pour vous. Donc, maintenant, je vais faire la coupe pour chacun des signes pour essayer de personnaliser un peu plus le tirage. Alors, quand je fais ça, lorsque je brasse les cartes, parfois, il y a des messages supplémentaires qui veulent venir. Donc, on va parler pour les cancers. Alors, déjà, la première carte qui sort, c'est l'as de bâton. Alors, c'est un peu comme l'as de denier. C'est un cadeau. Ça va... En fait, ici, c'est la passion pour votre travail. Ça vous demande de nourrir cette passion-là, cet amour-là pour votre travail, que vous allez choisir, bien sûr. Mais ça va aussi vous apporter de l'inspiration. Donc, il faut que vous soyez inspiré, tout simplement. Ou bien ça va vous apporter de l'inspiration dès que vous allez l'avoir entamé. D'accord? Alors, pour vous, mes chers cancers, sortez de l'hésitation et nourrissez la flamme pour votre nouveau travail. Apprenez à aimer ce nouveau travail que vous allez choisir, en fait. Hein? Pardon. Alors, parce que c'est le temps, en fait, de... Bon, encore une fois, on a le 5 de coupe, comme ici. Donc, c'est le temps de sortir des regrets, de oublier, en fait, le fait d'avoir regretté de ne pas avoir saisi l'opportunité. L'opportunité se présente à nouveau pour vous. Voyez-vous, l'as de bâton et l'as de denier. Alors, sortez de l'hésitation, arrêtez de regretter, mais passez à l'action maintenant. Hein. L'as de bâton, c'est le fait de passer à l'action parce qu'on vous dit que vous avez assez souffert, là, vous avez porté assez une lourde charge pendant des années. Maintenant, c'est le temps de faire le pas de plus pour arriver à faire ce qui vous tente en fait dans la vie maintenant ou ce qui va vous apporter ce dont vous avez besoin aujourd'hui. D'accord? Alors voilà pour les cancers. Maintenant, je vais juste faire la coupe pour vous. Alors, j'essaie de vous donner beaucoup de messages en fait. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chers cancers? Alors, c'est le temps de voir les choses autrement dans votre vie. Hein? Arrêtez-vous, réfléchissez à votre nouvelle vie, en fait, au niveau professionnel. Je le sens que c'est au niveau professionnel. Ça peut être aussi au niveau spirituel qu'on vous dit ici, vous avez réussi quelque chose, vous vous êtes dépassé. Maintenant, c'est peut-être le temps encore de vous initier à quelque chose de nouveau qui va vous apporter quelque chose de plus encore hein, au niveau de votre croissance personnelle. Quand on réussit un objectif, bien souvent, on s'en crée un nouveau. Alors, c'est un peu peut-être ce qu'on vient vous dire ici. Mais si c'est au niveau professionnel, on vous dit tout simplement d'essayer de voir les choses autrement parce que vous êtes lié à une pensée ou à une... comment je pourrais dire? Vous êtes attaché à un système de croyance par rapport à votre travail, à votre profession, qui ne vous aide pas à avancer. C'est comme si vous êtes bloqué, d'accord? Donc, sortez de l'hésitation, voyez la situation sous un nouvel angle et essayez de voir les choses différemment pour votre plus grand bien, d'accord? Et accordez l'importance que ce nouveau travail qui vous est apporté, hein, comme sur un plateau d'argent, ou bien nouvelle occupation, nouveau travail, nouvelle opportunité, traitez-la, cette opportunité-là, comme elle le mérite, bien sûr. D'accord? Alors, voilà pour les cancers. Maintenant, je vais faire la coupe pour... Je reprends les cartes ici pour pouvoir avoir toutes les cartes en main. Pour faire la coupe pour le scorpion maintenant. Est-ce qu'il y a des messages supplémentaires pour les images du mois d'octobre ici?
Alors, la même chose pour vous. On a également pour les scorpions l'as de bâton. Donc, je ne répéterai pas tout, mais l'as de bâton, hein, encore une fois, nourrir votre flamme, nourrir l'amour pour votre travail, passer à l'action surtout, hein, et être inspiré ici. Mais pour vous, les scorpions, vous avez également la carte du diable. Alors, c'est un peu... Tout à l'heure, on avait pour le cancer le pendu, qui nous disait qu'il était attaché à un système de croyance ou bien à quelque chose qui l'empêche d'avancer parce qu'il est bloqué. Alors ici, c'est un peu la même chose pour vous, mais avec le diable, en vous disant que vous êtes attaché, vous vous sentez probablement prisonnier de... d'une situation. Donc, j'ai vraiment pas l'impression que c'est au niveau amoureux, hein, pour vous, mais plutôt au niveau soit professionnel ou croissance personnelle ou spirituelle. Alors, je m'explique. Donc, le diable ici, au niveau professionnel, tout simplement, je vous ai dit que vous aviez de l'hésitation. Alors, probablement que vous avez peur de quitter un emploi qui ne vous convient plus pour choisir quelque chose qui vous convient. D'accord? Vous avez peur de peut-être de manquer d'argent. Hein? On voit le diable. Le diable, ça nous parle beaucoup aussi d'argent. Mais vous êtes attaché, vous êtes prisonnier à quelque chose qui ne vous sert plus ici. D'accord? Donc, libérez vos chaînes, libérez-vous de cette emprise et passez tout simplement à l'action ici, avec l'as de bâton. Alors, je fais la coupe pour vous, pour les scorpions également. Est-ce qu'il y a un message? Qu'est-ce qu'on veut dire? Au scorpion. Je fais ça. Alors voilà. Donc, pour pouvoir, mes chers scorpions, vous entourez des choses que vous voulez, des belles choses, du confort, de l'argent, tout ce qui vous apporte une certaine richesse, un certain confort matériel, peu importe. Hein. Alors, pour y arriver, vous devez vous concentrer sur un objectif de travail. D'accord? Alors, on vous dit ici, comme je répète encore une fois, l'hésitation, ce n'est pas bénéfique pour vous. Passez tout simplement à l'action. Cessez de réfléchir trop, parce que parfois, quand on réfléchit trop, on passe à côté de belles choses, hein, qui sont là pour nous. Alors, si vous voulez pouvoir bénéficier des résultats de votre travail, bien commencez à vous concentrer sur ça, sur vos objectifs au niveau de votre travail, de votre profession, de ce qui vous inspire. Alors voilà pour les scorpions. Et finalement, pour les poissons. Donc, pour les poissons, au mois d'octobre 2019. Alors, ce qu'on vous dit à vous les poissons, la même chose, hein, pour réussir votre vie pleinement, vous épanouir, vous sentir bien, partager un bonheur avec quelqu'un, vous sentir stable, vous sentir en parfait équilibre dans votre vie, bien, vous devez prendre des décisions. Sortir de l'hésitation, décider est-ce que vous montez, est-ce que vous descendez, est-ce que vous stagnez, est-ce que vous mettez un bâton dans votre roue pour l'empêcher de tourner, donc empêchement de l'évolution et de l'épanouissement. Alors c'est à vous de décider, c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, hein, tout comme toujours. Alors la même chose pour vous, les chers poissons, vous avez votre destin en main, décidez de faire ce qu'il y a de mieux pour vous sentir en parfait équilibre dans votre vie, d'accord? Et je vais faire la coupe maintenant pour vous. Alors, un peu la même chose ici pour les poissons. J'ai l'impression que en amour, la coupe concerne le côté amoureux.
ou relationnel. Alors, on a le 3 d'épée. Donc, je vous ai dit tout à l'heure hein, qu'au niveau amoureux, c'était très beau, que quelque chose de nouveau s'en venait pour vous. Vous tenez à cette relation de nourrir la passion entre vous parce que pour les poissons, c'est tout simplement que vous sortez probablement d'une relation très pénible, très difficile. Vous avez probablement beaucoup souffert et là, on vous dit préparez-vous parce que quelque chose de nouveau s'en vient pour vous très rapidement. Alors, certains, peut-être, nous sommes à l'automne, peut-être que ce sera dès l'hiver prochain que vous rencontrerez quelqu'un, peut-être, ou bien vous allez rencontrer à l'automne et ça va se solidifier à l'hiver aussi. Alors donc, pour vous les poissons, préparez-vous à sortir hein, de cette histoire de souffrance ici pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau pour vous. D'accord? Si c'est au niveau, ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous avez peut-être beaucoup souffert au niveau professionnel. Alors, des changements, un changement nouveau arrive pour vous. D'ailleurs, on vous le montre, hein? On vous l'a montré avec l'as de denier, l'as de bâton. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui va probablement vous inspirer beaucoup. Alors, c'est fini la souffrance ici. Ça s'en vient pour vous, la libération, le changement. Et si c'est au niveau spirituel, les poissons, ben tout simplement la même chose. Hein. On l'a vu ici que vous avez beaucoup souffert au niveau spirituel, probablement, mais que vous travaillez fort pour vaincre ces difficultés-là. Et on voit que le changement, le déclic va s'opérer très rapidement, très prochainement pour vous. Alors voilà mes chers signes d'eau, c'était vos tirages pour le mois d'octobre 2019. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous parle. Je vous invite à nouveau à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Pour toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification, à vous abonner d'abord, hein, et cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. N'hésitez pas à aller consulter la barre d'infos pour connaître quel tarot j'utilise si jamais vous êtes intéressé à vous les procurer. Il y a un lien qui vous amène directement. Et également, n'oubliez pas de liker hein, la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer. Mais surtout, de partager la vidéo parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. C'est peut-être tout ce qu'ils attendent pour passer à l'action dans leur vie. Alors voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes. Je vous remercie de votre écoute. On se retrouve le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.